positionnez vos mains sur ma liane de chaque côté. Et vous allez ensuite, tout doucement, c'est ce qu'on appelle un massage contenant, ramener les mains vers vous, ici. Comme si Mayan était encore dans l'utérus. Parfait. Par le toucher, on va reconnecter une mémoire sensorielle qu'ils connaissent déjà, qui va leur créer de la détente et beaucoup plus de bien-être et d'abandon. Très bien. Toujours dans la descente, pour aller dans la détente. Les parents vont pouvoir nouer à travers les gestes une relation particulière avec leur bébé, se redonner confiance en tant que parent et vraiment avoir des moments privilégiés avec leur bébé. Et finalement, le geste n'est qu'accessoire. L'important, c'est d'avoir un plaisir partagé entre les parents et l'enfant. Et dans ce cas-là, le massage est réussi. Vous allez récupérer avec votre main toute la jambe de Mayan et la glisser entre vos doigts. Tout le long, comme si c'était un petit bracelet qui glissait tout le long de sa jambe et de son pied. Les pieds, c'est très riche en terminaison nerveuse, en capteur, et ça procure une détente immédiate. Ça te plaît bien, Mayan, hein, les pieds? C'était super. Franchement, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment apprécié, et ça permet vraiment de se reconnecter à bébé. Et ça, c'est cool. Pouvoir faire autre chose, en fait, que donner à manger et faire des câlins, tout ça, ben, là, c'est vraiment... C'est un moment de partage et d'apaisement, que ce soit pour Mayan ou pour nous en fait.